tout le monde! C'est le 7ème épisode hein, de Pokémon XG et Next Gen et forcément je voulais un petit peu explorer et vous savez quoi? Bah, Ninja! Ninja! Voilà. Donc, bah, Ninja, mon gars. Elle nous envoie un Rondoudou et Chimecho, je sais pas ce que c'est. Et les cœurs, c'est Eoko. Ok. Pourquoi pas? Alors, je pense que petit Flamèche hein, sur le Rondoudou. Hein. Mais après, on a morsure hein, pour le Eoko. Ok, c'est super efficace. Ça fait des dégâts honorables. Oh, en plus il a peur. Parfait. Il a la trouille. Il ne m'attaque pas. Alors Dizern Voice, c'est un truc fait ça. Il devient tout petit quand il le fait, c'est n'importe quoi. Ah, ça fait rien du tout. Hein. C'est cacahuète hein, ton attaque. Hein. Je me demande si Shadow Rush c'est super efficace sur le type fait. Tiens, on va retester. Vu que c'est pas précisé dans le truc. Allez. Ouais, c'est neutre quoi. Oh, ça a rien fait là. Wow, on a fait les dégâts minimum, c'est pas possible. Ou alors tout à l'heure on a fait les dégâts maximum. Ok, donc il a fait safeguard, c'est. C'est pas une protect ça? Si, si, c'est sur une protect. Voilà, ça fait encore. Le. Ah, ça c'est quoi ça? Disarming Voice. Ah, le nom de l'attaque en français là, je l'ai pas. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf en puissance. C'est pas voix enjôleuse. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est voix enjôleuse. C'est vraiment pas fou. Voilà. On t'a battu. Easy. On a quoi là? Me dis pas qu'il y a un putain ninja. Non, c'est... Salut Edenoria. Edenoria plutôt. J'ai même pas vu l'objet que j'ai ramassé. Ah bah c'est pas grave. C'est pas grave. Ok d'accord. En fait, soit c'est les bonnes salles, soit c'est des salles pour des objets de merde. En gros. Ok. Bon, je vais pas lui parler parce que... J'ai pas envie de me faire avoir. Ok. Mais c'est le début ça! T'es sérieux là mec? Ah oui mais ça nous permet d'ouvrir ce genre de truc la carte qu'on a eue. Ouais ouais. C'est les vestiaires là. Ouais d'où tu viens? Full heal, ok merci. Il y a le type fait? Oui il y a le type fait. Et il y a même des nouveaux talents, il y a les nouvelles attaques et tout. C'est une ROM hack hein, c'est pas le jeu officiel. Alors mon mec c'est XG Next Gen. Donc on envoie toujours notre Poussifeu. Poussifeu il doit être... Ah oui. Je pense qu'à la fin de ce combat il est purifié. Par contre étant donné qu'il y a un Pokémon haut en face, ça me risque d'être un petit peu la merde. Mais bon, on va quand même tenter. Oh putain, qu'est-ce qu'il prend cher. Ah lui aussi putain. Ça se voit que c'est des Pokémon pas défensifs. Hein. Peut-être qu'il va mourir le Zubat alors. Eh oui mon gars. Ok. Ah, Cookie Pearl. Salut Spectrolo, ça va bien? Ouais, il fait fauchage. Jamais il pourra nous tuer avec cette attaque. Quel teubé. Bon là par contre je pense qu'on va le switch. Hein. Lui, dommage, mais on va le switch. Parce que c'est la merde, sinon. Metang, oui. Oui, Metang. Ouais. Hyper Voice, c'est bien. Allez, hop. Mon Shiny Moya. Ping. Ouais, parce qu'on a eu un Shiny hein, dans ce Let's Play. Hein. Au calme.
Ses yeux, c'est des petites croix quand il tombe KO. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mur de fer. Oui, mais non, c'est pas grave ça. Hein. Parce que de toute façon, on va faire point éclair. Ouais, le shiny, en fait, on l'a eu en starter. Genre, j'ai allumé le jeu, j'ai ouvert mon résumé et il y avait un shiny. Bon, bah écoute, hein, c'est bien. Parce que vu que les starters ici, on te les, enfin, tu les as dès le début, quoi. Genre quand tu commences le jeu, on te les donne pas dans une Pokéball. Tu les as directement. T'as quand même une petite chance qu'ils soient shiny. Et... bah, une chance sur 8000, quoi. 8000 machin. Et je l'ai eu, mon gars. Et je l'ai eu. Ah, c'est ici qu'on utilise la carte. Y'a rien là. C'est nul. Bon. Alors, on voit de ce côté. Ah, d'accord. C'est là qu'ils retiennent en otage le professeur. Bon, je pense qu'il faut il va falloir battre Marc là. Ce mec. Ouais, mon gars. T'es un ennemi ou t'es quoi, toi? C'est qui, ce mec? Il a un sprite différent. On dirait, vous savez, le chef des Power Rangers qu'on a fait la dernière fois, là. C'est le Power Rangers blanc. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. C'est ça, mon gars. Melofei. Là où la chance incarnée. Et Togepi. Dommage qu'on ait... Ah mais si, mais attends, j'ai... Oui, j'ai Metalos. Metalos, il est type acier, du coup il va les niquer. Et lui c'est bon, c'est officiel. Hein. Il va être... il va être, comment dire... purifié. On va y m'étangue, hein, carrément. C'est pas un jeu sur DS, Matt. Hein. C'est un jeu sur GameCube. Mais bien sûr que c'est sur émulateur, j'ai pas la GameCube. Et le nécessaire pour record la GameCube. Tout le monde s'en fout de la GameCube. Ok, super efficace sur le type fait, parfait. Il fait sauvegarde, bon. OCF. Et lui aussi. Mais t'es nul. Putain, mais cette équipe de nef de merde. Ah là là, allez, hop, et on va faire tête de fer. Non, j'ai pas de lien. Ah non. Bah non, c'est... c'est quand même illégal, hein. L'émulation... Cherchez sur internet. Mais l'émulateur, c'est Dolphin. Salut, Megasoft. Il a un... en doudou. Ah, il voulait faire berceuse, il a raté, tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Boum. Ok, c'est bon. Monsieur Mime. Bah dis donc. En fait, c'est le dresseur des types fées, lui. Il a que des types fées. Allez, boum. Crit. Oui, bah, pas besoin de crit. Hein. Bien sûr que je le tue en un coup. Il a un poké obscur ou pas? Non, il a pas de poké obscur. Ok. Va crève. Bluff. Oh, mais non. Le lourd. Le lourd. Comment on va la rentrer? C'est bien passé. Ouais. Bon, la reprise du taf, quoi. Shadow Rush, c'est quoi? C'est des attaques en fait exclusives aux Pokémon obscurs. Du coup, c'est. Bon, c'est quoi? C'est charge obscure. C'est des attaques en fait qui ont pas vraiment de type, mais qui sont efficaces contre certains types de Pokémon. C'est tout. Oui, end of game, faut que t'ailles sur Pokémon, enfin sur Smogon. Smogon, t'as tous les 7 hein, de tous les Pokémon. Mais bon, après end of game,
La stratégie sur Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha va s'arrêter hein, dès que Soleil et Lune sera sortie. Voilà. Et voilà, easy. Dahlia, c'est incroyable. Tout ceci est dangereux, mais tu as réussi à me sauver. Il ne dit absolument pas ça, mais... Ouais. Et il joint ma partie. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Et Poussifeu peut maintenant être purifié. Et on trouve une pierre plante random. Enfin, random, non, c'est pas random. Mais... On trouve une pierre plante comme ça au calme. Bah du coup, on va envoyer au combat... je pense que... Boulogne plus Drabi, c'est bon. Ouais, Spectrolo, mais... Enfin, MP moi plus sur Twitch ou sur Twitter, parce que sur Skype, j'y vais jamais en fait. Skype, ça me saoule. J'y vais jamais. C'est l'heure de la purification. Ouais, bah déjà, il faut sortir de ce truc. Parce que... Non, t'es sérieux que c'est la fin et qu'il y a un truc qui se passe? C'est quoi ça? On dirait une infirmière Joël. Oh non, il s'échappe! Sylvia! C'est l'infirmière Joël? Putain, comment elle est toute fine, mon gars! Putain, mais un coup de vent, elle s'envole, quoi! Ses cheveux sont plus épais que tout le reste de son corps. C'est ridicule. Je crois qu'en fait, c'est une admin. Le développeur du jeu, enfin le créateur de la ROM hack, mon gars, il a mis des hashtags partout dans les comment dire, dans les dialogues là des ennemis, c'est n'importe quoi. Bon allez, tais-toi, on va se combattre, j'ai compris. Dépêche-toi, allez, vas-y. LOL, thank you. Qu'est-ce qu'il me dit? Non. Voilà, il fallait dire non en fait. Fallait dire non. Ah oui, d'accord. Je crois que tu fais peur là. Avec tes bras. Ils sont pires que les miens, ces bras. Miss Dibule. Et l'autre, j'ai pas vu. Ah, par contre, un Pokémon Dragon contre Miss Dibule, c'est pas fou. La musique est sympa. Ça intimide. Ah oui, Snubbull. Ah, ils ont... Ah, elle a mis des surnoms à ses Pokémon. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool, ça. Ah, franchement, c'est cool. Alors, on va feu follet, mon gars. Ça fait la griffe acier. Ça fait rien du tout, du coup. Et je te brûle. C'est ridicule, cette petite flamme. Waouh. Et tu brûles. Ah, ça, ça risque de faire mal sur lui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Un petit peu. Ah, la douleur. La douleur. On la ressent. Boulogne s'est fait bouler. Alors du coup on va tête de fer sur le Mr. Trickle. Et je pense que Bulldoze me paraît pas mal. Piétisol. Bon, ça, ça tue. Oui, ça tue, bien sûr que ça tue. Ah, t'es déçu, hein. Tes cheveux, ils passent à travers ton bras. Hein. Fais attention, quand même. Un petit mélofé. Décidément. Oh, il est obscur. Ouais, mais est-ce que ça nous intéresse? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, moi. Hein. Ça fait le Fire Punch, mais ça va pas faire grand-chose, étant donné que le Miss Dibule est brûlé. C'était la lucidité, quand même, de brûler. Hop, Piétisol. Oh, ça fait rien du tout sur Clefairy. Au moins, ça baisse leur vitesse. Ça fait aussi rien du tout sur Kiss. Hein.
Putain, la déception quand même. Ok, bon. Peut-être de fer sur le fer. Franchement, est-ce que j'ai envie d'attraper ce truc? Non. Non, j'ai pas envie d'attraper ce truc. Donc voilà. Hop, t'es mort. Oh, t'es sérieux qui tank? Wouah! Il est Volirock ou quoi? Sérieux? Il est flinch. Bah écoute, je crois qu'on va essayer de l'attraper étant donné que je l'ai pas tué. Je pensais que je vais le tuer en un coup. Est-ce que j'ai une boule? Une bonne boule, ouais. Et voilà. Allez, dis-moi que ça passe d'un coup. Comme ça, c'est parfait, tu vois. Tum, 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 tum. 1, 2, 3. Mais ouais, mon gars. Mais ouais. Allez, bisous, t'as pu tomber nos fées, hein. Bye. Ah, quoi? Oh, les shiny. Oh, putain. Eh, GG le créateur du jeu, quand même. Putain, le Pokémon, il s'appelle Bae. Il faut tweeter Prismae. Salut, Caval. Putain, faut tweeter Prismae. En plus, il est shiny, quoi. Ah, elle va prendre plaquage. Oui, à la place de abri. Cuddles. Ok, c'est le gros doudou. C'est dommage qu'on puisse pas lui voler son shiny quand même. C'est dommage. Ah, je peux pas l'attraper, hein. Je peux pas l'avoir shiny celui-là. Je peux pas l'attraper. C'est prévu, en fait, c'est son Pokémon à elle. À moins que Juju Heiser a eu un vrai shiny. Sinon, on peut en parler du gros doudou que j'ai one shot. Magical Leaf. Ah, ça risque de faire mal, ça, sur le. Sur le, la roulade. Ça tape les deux Pokémon, je crois, ça. Ou peut-être pas. Non, si ça tape les deux. Non, ça tape pas les deux. Oh bah, t'es nul. L'autre il s'appelle Waffle. Waffle. Putain. Sérieusement. Aïe. Alors Caval, je sais pas du tout comment tu peux jouer sur l'Umbreon. Je sais qu'il y a un moyen, hein, je sais qu'il y a un moyen, mais je n'ai vraiment jamais utilisé. Oh la synchro, putain, on a un Pokémon seul type paralysé quoi. Et là il va nous le faire sur la roulade et la roulade va mourir. Spoiler. Ah non. Putain mais quel idiot. J'ai nommé... En fait ça s'appelle Hans pour utiliser les ROM hacks sur... sur... Umbreon le menu mais je sais pas du tout comment l'utiliser. Et aussi il faut savoir qu'il faut que tu... Que en fait tu joues grâce à une cartouche. Du coup, et t'es obligé du coup de retirer ta sauvegarde en fait. Hein. Ta cartouche, tu ne peux plus du tout jouer avec. Hein. Voilà. En fait, ta cartouche devient la ROM hack quoi, en gros. Et voilà. Bisous. Tu es triste. Et oui, bien sûr, Melofé va dans le PC. Hashtag Master Tyron. Putain, mais non. Arrête! Barre-toi! Ok, bon, on a terminé le laboratoire obscur, je crois. Et ça, c'est pas mal. Ah, il y a un objet! Un objet qui brille. Moi, je sais pas ce qu'il me dit, mais on s'en fout. Je crois qu'il retourne au. Il veut qu'on.
Ah, un CD-ROM. Ok, cool. Alors, est-ce que ce serait pas les données des Pokémon obscurs? Certainement. Donc là, je pense qu'il faut retourner au laboratoire Pokémon. Mais nous, on va se soigner, on va se laisser là. Oh, on y retourne direct! Oh, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci Dahlia. Eh oui. Merci, merci, tout ça. Alors, il va analyser la ROM, j'espère. Ouais. Nous, on va pouvoir purifier Poussifeu aussi. Bon. Ah, la chambre de purification est finalement complète. Donc, on va pouvoir utiliser la chambre de purification. Et ça, c'est cool. On n'est plus obligé d'aller dans la forêt. Bon, je pense qu'il faut essayer. Je pense qu'il faut essayer. Datarom, non, c'est... C'est... Bah là, là... Attends, c'est là? Est-ce que c'est là? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Allez. Allez, allez. Fermez-la! Oui, non mais arrêtez de m'expliquer ce qu'est un Pokémon obscur. Tout le monde sait ce que c'est. C'est un Pokémon méchant qui n'a plus son cœur. Et voilà. Et ben, après, il faut les libérer. Ce que je veux faire avec Poussifeu. Putain! Too much dialogue. On se croirait dans le donjon mystère. Voilà. Easy. Alors. Je m'en bats les couilles. Bref, on va sauvegarder. Et on va se laisser là dans ce 7ème épisode. Parce que voilà. J'ai pas trop compris hein, l'utilité de ce truc. Bon, ok, d'accord. On peut placer les Pokémon, j'ai l'impression. Pour qu'ils se purifient d'eux-mêmes. Mais bon, voilà. Hein. On fera ça tout à l'heure. On verra. On verra comment ça se passe. Bref. Des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Bye bye.